Il y a encore du monde là ou tout le monde est parti? J'ai vu. Je sais pas. Bon, je regarderai, vois vous embêtez pas. Le Don. Ah bah voilà, l'architecte qui discute un peu là-bas, mais sinon j'ai vu personne d'autre. Mais je crois que de toute façon tout le monde est convié à la voie ce Oui, soir. c'est ça. Donc je pense que ouais, tout le monde a dû partir dans le sud. Je sais pas, parce que dans mes souvenirs, on est censé se réunir à la taverne avant 21h30 et ensuite partir tous ensemble. Parce que oui, on est censé arriver avec le roi, faire une démonstration de force, je sais pas, montrer qu'on est nombreux. Donc c'est vrai que ça serait plus sympa qu'on arrive tous ensemble, qu'on compte-goutte, quoi. Bah oui, c'est vrai. C'est plus impressionnant qu'il y ait tout du monde d'un coup qu'une par une. Surtout qu'on a des relations tendues avec le sud, du coup j'espère que personne n'aura l'idée stupide d'y aller seul Bah et oui. risquer de se faire Kidnapper ou autre. agresser. Imaginez que quelqu'un se fasse enlever dans le sud parce qu'il s'est rendu seul et qu'on ne l'apprenne qu'à la fin du concours de la voix, en sachant qu'on ne sait même pas si c'est pas un traquenard. Bah oui, tout à fait. Donc vaut mieux qu'on y aille tous en même temps pour être tranquille, parce qu'effectivement, vous avez raison. Parce qu'on va sur leur terre, hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est organisé dans le sud. Bah oui, ou sinon il aurait Je sais fallu pas que ça s'il soit faut vivre plus organisé longtemps carrément ou. sur le milieu de l'île, ou je sais pas, à un endroit neutre. Ouais, j'aurais préféré que ça s'organise sur un endroit neutre parce que ils savent très bien qu'on viendra pas armé, Bah bien que sûr. les forces de police et que le Concours roi ne nous laisseront pas. Nous ont assuré sécurité. Les forces de de police nous ont assuré sécurité, mais encore faut-il qu'ils soient suffisamment nombreux. Bah bien sûr, et puis on sait pas ce qu'il peut y avoir là-bas, il peut y avoir de gros dinos, ils peuvent être préparés en termes d'armement, je sais pas moi, on peut se faire capturer, on sait pas ce qui peut arriver. Bien sûr, et surtout que je sais pas si vous connaissez bien le sud, mais moi j'y suis jamais allé, donc Moi j'y il suis faudrait déjà allée une vraiment. fois, et Ouais, puis c'est bien bâti chez eux, hein, c'est bien fait, hein, très très bien fait. je suis pressé de voir ça, parce que bon, on sait tous qu'à un moment ou à un autre, ça finira par nous appartenir. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour, à vous. Bon, sinon pour le sud, voilà, comme je l'ai dit à Bonjour, Monsieur Hiro. Kiroto, hein. Monsieur Hiroto, pardon. Voilà, je ne pensais pas que ce soit un traquenard, mais il faut s'y préparer au cas où. Ouais, c'est ce que je pense aussi, hein. Mais comment on va Mais s'y préparer? C'est ça le problème. vous nous assurez totale sécurité? Je vous l'assure, je n'appartiens plus au sud, hein. Je suis un habitant du nord maintenant, tout comme vous, hein. Je n'ai plus rien à dire au sud, hein. Mais Oui, on va mais essayer de. vous et vos hommes, vous êtes prêts à défendre la population du Nord coûte que coûte? Ah, bien sûr, mais bon, si maintenant on nous prive de nos armes ou si on ne peut pas rentrer avec les dinosaures, ça risque d'être un peu Bah compliqué, moi hein. c'est ça qui me fait peur. Après On trouve une tactique. je pense que le roi pourrait imposer le fait d'emmener des gros dinosaures pour sa protection, c'est normal, c'est le roi, donc il se doit d'être protégé. Donc après, si par contre là ils sont pas du tout d'accord et qu'ils ne veulent pas que le roi ait de protection comme de gros dinosaures, là je pense que ça sent le traquenard. Vaut mieux pas rentrer dans la ville si c'est ça. Mais voilà. De toute façon, moi je suis équipé. Normalement, mes hommes, ils ont les consignes d'être équipés aussi au cas où. Mais il va pas y Alors, on avoir de verra si fouilles. on passe ou pas avec les armes. Je sais pas du tout. Ah là 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 là. Bah logiquement aussi. Hein. Techniquement oui, mais on Si, sait jamais après. je dois Vu vous qu'il va avouer y que. avoir énormément de monde et qu'on va être très très nombreux, est-ce qu'ils vont prendre le temps de fouiller chaque personne? Je sais pas. Croyez-moi une chose, c'est que si jamais ils tentent quoi que ce soit, la guerre sera d'office déclarée. Ça Ah m'étonnerait oui. que le roi y laisse passer ça. Hein. Là-bas. En fait, je vois de l'eau. Hey, Hiro. Hein? J'espère que t'as rien emmené sur Bonjour? toi. Oh! Ah, je crois que la personne est... Bon, elle doit être occupée. Elle est là? Ah. Ah bah Bonjour? voilà. Elle est là? Oula. Qu'est-ce que vous voulez? Bah Je sais pas, écoute. genre, on venait ici, je vous ai vu, donc voilà. Ah ouais? Et bonjour aussi. Bonjour. Vous voulez un coup de main? Merci, je suis bien là, je profite du vin. Ah bah, vous avez bien raison, D'accord. allez-y. Hein. Bon. Et vous voyez, quand je voyage beaucoup, les bestiaux ils sont fatigués. Ah bah oui, normal, ils ont besoin de se Ah bah, c'est reposer. sûr. Hein. Ah oui, il court bien le petit, du coup, je le repose. Vous avez bien raison. Bon, on va y aller, nous, héros. Ouais. Bonne journée à vous, Ah, bonne monsieur. journée Eh alors. journée. Eh Au merci à vous revoir. aussi. Merci. Au revoir. Oula, l'arbre en plein gueule. Ah, moi aussi. Ah, bah ouais, ça y est, on arrive. Oh la Ah bah vache. c'est bon, il y a un nier, gamin. Ouais.
Attends, faut qu'on passe par le bon côté. On va qu'on passe par la gauche et qu'on passe par le bord. Hein. Mais on va poser des dinos quoi. Bon bah j'espère il est. Bah je crois qu'il va dans l'eau. Oh là là, moi je vois rien. On peut passer par ici ? Attends, viens. Viens. Non, je crois qu'on va s'engueuler. Écoute, on va aller tout droit. Ah non, mais attends, ça va jusqu'où là ? Bah écoute, faut qu'on aille en face. T'as vu ? C'est pas vrai ? Non, viens. Oh, les mal de tête. Attends, j'ai trop mal à la tête, là. Viens là, suis-moi. Ouais, bah viens là. Oh, oh la vache. Descends pas là. Oh la chute que j'aurais fait. Ouais, ici c'est bien là, je pense. Ah, mal. Non, mais me dis pas là aussi. Oh non, là c'est bon. Voilà. Suis-moi. Non, y'a pas de mur ici. Il est où ? Je peux descendre. Je te voyais plus. Ah ouais, ils ont des espèces qu'on n'a pas. Oh, dis donc. Ah ouais, nous on n'a pas ça. Ouais, c'est une sorte de croco, ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que ça, quand ça t'attrape en vol, je peux te dire, ça te fait tomber ta monture. Hein. Non, on n'a pas de... Vas-y, je te suis. C'est quoi, c'est un croco, c'est ça? Beaucoup avec des lampes pattes en tout cas. Oh, bordel. Ah ouais. On va attends qu'on rase le mur. Hein. Hop hop hop. Bonjour, hop. Bonjour et bonjour. Voyons, ma chaîne qui court partout. Et ben moi, je m'appelle Yuni et j'ai 4 ans et demi, tout petit comme ça. Ouais, c'est tout. On peut laisser vos animaux sur le parking. Qui est adéquat ici, c'est votre droit. Sur votre droite là. Sur votre droite là. Citoyens, restez calmes. Tout va bien se passer. Nous avons la situation en main. Monsieur le juge, vous inquiétez comme ça. Un ours courrier. Oui, je préviens les gens, on sait jamais. Non, monsieur le juge. Il est très important, monsieur le juge, que vos animaux passent. Il n'y a pas de problème diplomatique. Il y a deux T-Rex au fond. Ils ont amené les Rex. Sous un bateau. Ah, c'est la monture du roi, ça. Ah, il restera là sur le bateau. Oh, il restera sur le bateau. Moi je veux étamer. Hein. Vous laissez aller dire, c'est à vous de faire la police. Et à Barrel, tu peux pas cela. Allez-y, hein, monsieur. Si, moi je veux étamer. Je vois pas. Prenez les rênes. Prenez les rênes, monsieur Fernando. Nous on s'est bien l'heure la bienvenue. Qui êtes-vous là? Non, mais c'est moi. On sécurise l'entrée à la ville. Oh bah tiens. Coucou toi joli bras. Pourquoi rester ton Picasso? Bah tu vois, je savais qu'on se reverrait mon chou. Il a pas quoi, regarde, il a une couronne. Non, c'est bon. Non, mais moi j'aime pas. Oh ben, bah, tu vas voir, moi t'as pas voulu me faire visiter ta maison, mais moi je vais te faire visiter ma ville, tu vas voir. Comme ça on pourra aller se boire un petit coup à la taverne tous les deux, mon petit chat. Non merci, c'est bon. Kikou Mikou. Oh, il rougit, monsieur J, je regarde les chats comment ils rougissent. Il rougit, hein. Ouais, il est sensible à votre charme. T'es pas timide, c'est bon. Oh. Je suis pas encore marié, hein, t'inquiète pas. Moi je suis déjà avec quelqu'un, donc c'est pour ça. Ah bon, il y a avec qui? Avec cette personne à ma droite. Ah bon? Ah ouais, vous êtes ensemble? Ah, ouais. C'est vrai, maman. Ah oui, c'est maman. Comment tu s'appelles, maman? Bonjour. Il est veut, il est la vendeuse de chiens trop cher. Mais c'est des petits nouveaux. Pourquoi ça descend du bateau, Terinosaurus là-bas? Oui, les animaux, ils servent à rien de descendre du bateau. Bonjour.
Regardez où regardez ça. Regardez les chevaux pour la ville. Les Amazones ne sortent jamais sans leurs chevaux. Bah oui, mais ouais, si, non, y a pas d'aliments en ville. Pas d'aliments en ville, c'est interdit. C'est le repas. Mais elles ont pas de tapis non plus. Elles ont toutes mises. Là, ça joue, mais durant la navigation, j'ai un certain moment. On n'est pas samedi. Continue. Tiens-moi. Mais oui, mais justement, pourquoi elles sont toutes nues comme ça? Et n'importe quoi. Ah, vous êtes la zone. Oh, oui. C'est leur manière de s'habiller. Pour information, n'oubliez pas de suivre vos animaux en passif pour éviter qu'il y ait tout un vivant durant les mêmes mois. C'est qui cette petite là? Oh, c'est une habillée, moi je trouve. Hé, putain, ça m'étonne pas. J'ai mal au crâne? Oh non. Mais si, ils sont belles. C'est bon, t'as rien perdu? Oh, malheureusement, vous pouvez passer, mais toutes les personnes du Nord devront forcément passer par la douane. C'est très important. Je l'ai vu dans mon miroir. C'est protocole, il n'y a pas presse, comme je vous ai dit hier soir, il n'y a pas presse. Ah bon? C'est bizarre. Oui, je peux faire ça. J'ai une petite question, juste pour savoir, vos hommes seront armés? Madame Solveroot? Non, mais comme les vôtres, en fait. Les vôtres, ils pourront rentrer, c'est votre garde. La police se peut rentrer. Ah oui, parce que sinon, j'aurais. Si votre police était armée et la mienne non, j'aurais un petit peu paniqué, vous voyez. Oui, mais vous y inquiétez jamais. J'espère que je peux avoir votre protection, messieurs. Je suis du sud, moi. Messieurs, s'il vous plaît, si vous voulez, on se verra plus tard si vous voulez en privé. Oh non, mais au moins juste faire les présentations correctement, ce serait pas mal. Attends, moi aussi je vais faire le serpent. S'il vous plaît, j'aimerais me présenter au serpent, s'il vous plaît, là. Saute le serpent, faut sauter dessus des bords. Monsieur sénateur, bienvenue, enchanté. Merci pour votre accueil, en tout cas, dans le sud. Messieurs, on peut avoir le silence, le roi a essayé de parler, s'il vous plaît, merci. Eh ben, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je ne suis pas encore passé une seule fois. Je ne suis pas encore passé dans votre royaume. Il faudra qu'un jour je passe vous rendre une petite visite, je pense aussi. Avec plaisir. J'ai déjà rencontré l'autre sénateur. Très gentil. Avec plaisir. Vous avez été élu par le peuple, c'est ça? Exactement. D'accord. Je ne vous connais que de la part de Henri, qui était votre collaborateur. Ah oui, bah d'ailleurs, je sais pas. On un peu plus en détail. Bah oui, bah d'ailleurs, je sais pas où en est mon collaborateur. Vous savez où ça en est? Bien. Oui, je le sais, malheureusement. Excusez-vous. Je vous le raconterai, mais ça, c'est, monsieur Henri a choisi sa propre décision. Je vous le raconterai. Nous n'avons rien d'accord. Je vous raconterai. J'espère que vous me raconterez. Oui, j'aimerais bien savoir. Je vais demander d'avoir un peu de silence pour le roi, s'il vous plaît. On va vous demander de tous vous asseoir, les sénateurs et monsieur le roi, vous avez une place attitrée parce que vous serez le juré bien sûr de cet événement. Il y a voix, hein, ouais. Non, monsieur le juge aussi, hein, qui peut être vu qu'il nous manque un sénateur, on va demander à monsieur le juge de s'installer dans un des canapés, s'il vous plaît. Alors, installez-vous bien, mettez-vous bien confortablement, et la soirée va commencer, monsieur dame. Alors tout d'abord, bienvenue au peuple. Bah, mets-toi devant, Yonion. Et approche-toi. Bienvenue tout d'abord à ce grand événement qui est la voix. Et nous remercions bien sûr le Royaume du Nord de se présenter ici en toute convivialité pour une grande soirée de fête. Bien sûr, ouais. Alors on va vous expliquer un peu les règles de la voix. Les voix, en gros, ça est un grand... Voilà, si tout le monde m'en dit en même temps, il y a vraiment les oreilles. De quoi? Oui, la voix, c'est un grand concours de chant, hein, qui est représenté par celui qui a envie de chanter, bien sûr. Nous avons un jury, hein, qui a le dos retourné, et le but, c'est qu'il juge pas au faciès, hein, non, c'est à la voix. Ah ouais, c'est celui qui chante le mieux, ouais. À partir de là, quand il y a un candidat qui leur plaît, ils ont jusqu'à se mettre debout et se retourner. Ouais. Et du coup, le candidat est bien sûr élu, et après, ils feront un débat entre eux pour savoir qui est le vainqueur. Et justement, pour le vainqueur, monsieur dame, attention, pour le vainqueur,
Nord, et il y a bien sûr des lots différents. Monsieur le roi du Nord, avec son énorme montée, il va nous offrir pour le vainqueur 20 000 pièces d'or, messieurs dames, 20, je dis bien, hein, 20 000 pièces d'or. Hein. Le royaume du Sud va bien sûr participer un petit peu, elle va donner 6 500 pièces d'or. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc nous avons déjà une prime monétaire pour le premier de 26 500 pièces d'or, et c'est énorme, énorme, hein, attention. Du coup, je voulais aussi, monsieur le juge, vous pouvez venir sur scène si on vous plaît. Oui. Monsieur le juge a aussi un lot à vous présenter, va vous le présenter lui-même. Venez, monsieur le juge. Allez-y, alors, monsieur le juge. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames. Je suis monsieur Chêne Grignon. Pour le vainqueur, j'offre une soirée de service. Donc, je sais faire le ménage, je sais faire à manger, je sais faire les petits massages. Je sais m'occuper de toutes choses diverses et variées. Oh, c'est bien ça. Je sais offrir du plaisir et je sais en recevoir. Donc le vainqueur, on s'amusera ou la vainqueuse peut-être, on ne sait jamais. Et hein, je peux témoigner en plus. C'est vrai que ce soit un vainqueur quand même. Hein. Bravo monsieur le juge. Content. Il est content. T'approches pas de lui, fils. Pourquoi on me regarde là? Merci monsieur Yogi. Hein. Moi, je vous en prie. La maman, bonsoir. Donc, mesdames et messieurs, nous allons demander à tous les participants qui désirent participer à la voix, mis à part le roi, parce que monsieur le roi, je sais qu'il participe, mais il est aussi jury. Hein, ouais, ouais, ouais. Mais il ne pourra pas voter pour lui-même. C'est lui qui va gagner. Ah, bah non. Savoir, hein. Tous les participants, veuillez vous mettre sur votre droite, là, derrière la scène, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ouais. C'est pour passer l'un après l'autre. C'est de l'autre côté de ta gauche, Tony. Celui-là, la deuxième gauche, ouais, voilà. Ah, suis les gens là. Ouais, ouais. Elle doit pas se présenter. Du désert abandonné, rempli de sable et bête du passé, souffle le feu pour quatre dieux sur des dragons. Chevauchant les cieux. Merci à tous. Ah, y'a des gens qui sont là. Elle dit baise ma fille, tripote-moi la bite avec les doigts. Elle dit baise ma fille, on n'en meurt pas pour ça. On n'en meurt pas pour ça. Car si on en mourait, tripote-moi la bite avec les doigts. Car si on en mourait, je ne serais pas là, je ne serais pas là. Voilà. Ouais. Oh on pas on nous appelle Pulapi sous du popo pour les intimes. Dans les bars après le banquet, on nous retrouve à boire en prime. Nous sommes une nouvelle classe après la police et le roi. Pas loin des péons, quoi que plus classe, je vais vous en dresser le tableau. On est un peu artiste, c'est déjà ça, mais notre passion, c'est notre boulot. Mine de la caillasse et coupe du bois, afin de payer tous nos impôts. Les popos, les popos, les popos, les popos. Oh, c'est bien, c'est joli. Nous vivons dans les terres du Nord, dans les baraques faites de bois. Des ateliers d'artistes branchés, bien plus tendance qu'en Libria. Nos bestioles sont bien élevées et dépassent souvent les 100 ans. Nourris à la viande des OB et même parfois aux sénateurs. On fume des joints de temps en temps avec du tabac et de l'herbe bio. Trop tant dada, mais plus souvent, préfère se déplacer en dino. Les popos, les popos, les popos, les popos. Je crois que les bravo. Ma guitare, bah, ils ont pas fait une autre. J'ai oui, s'il vous plaît. On va vous chercher votre guitare, on y va. Ah merci. Oui. Par contre, un ou deux policiers, s'il vous plaît, j'aurai besoin d'un coup de main. Elle est lourde, la guitare. On s'occupe. La guitare, s'il vous plaît. Il m'a un policier, un seul avec moi, un seul. Un seul, d'accord. Trouvez-la, parce que je l'ai caché. Ah oui, on va la chercher. S'il vous plaît. Vous avez pas de guitare ici, sinon. Il faudra faire un toit parce qu'il pleut encore. Moi, j'en ai une, si vous voulez. Ah bon? On va attendre, ils sont partis. Cette chanson. Super envie. Bon, bah allez-y, donnez-moi ça. Et ben moi, je vais faire popo de reviens. Oh, merci beaucoup.
Viens t'asseoir à côté de moi. Quand on prend de la hauteur, tout semble incontrôlable. Mais leurs craintes, leurs doutes et leurs peurs, je les sens depuis longtemps. Oh, il chante bien le con. Pas de travail et trop de taxes, les permis ça fait trop de paperasse. Mais n'ayez crainte, Laurent est là, il règnera. Libéré, délivré, le Nord crie vive le roi. Libéré, délivré, le Sud passera. J'ai laissé mon château de côté, perdu de sang ou les dettes. Le Sud a besoin d'être redressé. Les sénateurs sont là pour rendre la vie plus belle. Arrêtez de vous prendre la tête, je le fais depuis longtemps. Cache tes rex, n'en parle pas. Fais attention, le Nord se survivra. Pas de guérilla et pas de sang, juste en chantant. Coup d'état, ceci est un coup d'état. Coup d'état, coup d'état, non ne paniquez pas. J'ai laissé mon château de côté, perdu dans le sud. Je viens pour sauver le peuple endetté. Excusez-moi, ceci est un coup d'état, ne bougez pas, vous serez abattu, s'il vous plaît. Ne bougez pas, messieurs. Ne bougez pas, je ne voudrais pas que la population meure, s'il vous plaît, c'est important, ne bougez pas. Ça vous fera. Qu'est-ce qui se passe là? Ah putain, quand j'ai été ça a bien marché. C'est quoi? Oh, reste calme. Il est loin, reculez, reculez. Tu vas t'endormir. S'il vous plaît, si vous faites rien, vous arrêtez de tuer ou il va dire du meurtre cool ce soir. Je l'ai dit, je ne veux pas que le sang coule. Monsieur le sénateur, il y a un Ralton sur le toit. Il y a un Ralton sur le toit. Il y a un Ralton sur le toit. Il y a un Ralton sur le toit là-bas. Ne tirez pas, balle réelle, s'il vous plaît, endormez-les si besoin. Je ne veux pas que la population soit touchée, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Silence. Monsieur le sénateur principal, où est-il? Je voudrais lui parler. Bah oui, mais ça va être compliqué parce que j'ai des choses à lui dire. Je ne lui veux pas de mal. Je ne lui veux pas de mal. Je m'y attendais pas. Moi je m'y attendais. C'est vraiment bien joué pour moi. Mais oui, on le savait déjà. Vous êtes un champion, mon roi. Vous êtes le meilleur. Vive le roi. Vive le roi. On m'a tiré dessus, monsieur. Attention, on tire sur le roi, Feu sur le roi. Messieurs, c'est déjà le roi. La personne qui tire, vous pouvez la battre, messieurs. Seulement la personne qui tire, merci. Il est sur le toit en haut, là. Il est sur le toit là-bas. C'est la seule personne que vous voulez tuer. Les autres, vous les laissez tranquilles. Je vous avais prévenu, messieurs. Rien ne vous arrivera tant que vous ne ferez rien. Si vous faites quelque chose, on vous tuera. S'il vous plaît, ne bougez pas. Messieurs les policiers, venez ici. Bah, là-bas, y a quelqu'un, et les sénateurs aussi, je ne vais pas vous faire du mal, j'ai quelque chose à vous annoncer. Messieurs les sénateurs. Oh, poussez-moi, paysan. Ramenez-moi le sénateur tout de suite, s'il vous plaît. Où est l'organisateur de la soirée? Où est le docteur Chen aussi? Ben non, vous êtes accueillis quand il n'y a personne. Ils n'ont même pas le cran de se battre pour le peuple et vous avez élu ça. C'est le plan B, vous savez quoi? On a rien élu, on a pas eu vraiment le choix. Eh ben messieurs, on va vous mettre en prison, si jamais ils ne viennent pas, vous allez être exécutés, moi je... Ah, vous êtes comme ça, vous? Je rigole pas ici. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut pas leur dire. Non mais pour l'instant, vous inquiétez pas, c'est... Désolé. Je ne vise pas la population, je vise la population. Et vous auriez pu sortir le vent tourné aussi. J'ai vu les deux tirs axés, j'ai un arrangement avec le Don. Oh, mais t'es sérieux là, Fernando? T'es vraiment un vendu, toi, Fernando. Oh mais carrément. Ah, vous avez le même casque. Bah, près de la porte là-bas. Mais t'as déjà vu un mec qui était pas vendu dans le sud? Ah, regardez là au-dessus là. Dans les C'est bien déjà. C'est bien. Quelque chose que vous savez admettre. C'est bien. Bon, au moins ils font le travail à notre place, on n'aura pas besoin de raser le village. Bah, ils sont contents de pomper le nord. Bonsoir, regarde. Eh bah oui, c'est comme toujours. Mon roi, très belle prestation d'ailleurs. Parle-moi pas. C'est vrai que c'était beau. Quoi, mon roi? C'est problématique. J'avais la larme à l'œil. Oui, mon roi, vous chantez très bien. Vraiment très bien. On aura à fêter. Parle-moi pas, je suis sourd, j'entends rien. Allez, on entre ici. Évidemment, bon, on était un collabo.
Tape ta gueule toi, je dis. Les gens du sud, on rentre à l'intérieur. On m'a payé, enfoiré. Et bah oui, bah t'es un collabo. Rentre là-dedans, là. Il y a encore deux personnes dehors. Qu'on appelle de espèce de collabo, frère. Et vérifie que les portes soient bien verrouillées. Allez, entrez. Oh, la vie, attends. Par contre, vous avez une grande gueule, c'est possible. Vous avez géré. Aïe, aïe. Bon, bah, je reste. On essaye. Alors, sortez, on vérifie, je suis toute seule. Voilà, super. Tout le monde est sécurisé à l'intérieur. Mon roi. Il est interdit de sauter. Nous, on va les aider. Ils sont attendez, attendez. J'ai mis monsieur Fernando dans le bateau. Il est dans la cage, dans la cabine. Parfait, parfait. Ne vous inquiétez pas. Donc, nous avons le commandant. Tout va bien se passer. Restez calme. On est là, là. La situation va se régler. Non, mais c'est qui? C'est un habitant du sud ou du nord, lui? Un habitant du nord. S'il n'y a pas de place, hein. À ceux que j'avais prévenu que le don. Garmon, on y va. À l'hôpital, c'est bon. Putain, je vais voir. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui là? Vous voyez là? Et les voilà, et les voilà. Je crois pas. Voilà. Oh, il y a des coups de feu, il y a des coups de feu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Allez, coups de feu, vous inquiétez pas. Garmon, on doit voir. Il y a encore quelqu'un là, mais pas en moi là. On arrive, il est avec moi. Il est où le roi? Où est le roi? Le roi est inconscient en ville. Il est réveillé. Il est là. Revenez, suivez les règles. Il y a un cheval à l'eau là. J'ai deux mois là. Yelena, tu t'en occupes. Ne touchez pas. On va demander à la guérisseuse. On démarre. On va vous apprendre. Bon. Je te suis. Allez, cadet. On prend ce bateau la tour. Ouais, il faut le reprendre, ce bateau. Ah, oui, bah, Allez-y. Retourne dans ta cage, toi. Allô, la graisseuse. Par contre, il faudrait que tu partes chercher son cheval. Je trouve mal de tête pour. Ouais, ça marche. Tu le surveilles? Qu'est-ce qu'il a? Il s'évanouit. Je sais pas. Ouais, ouais. T'as quoi? Non, attends, tiens. On demandera à la dame graisseuse. Ouais, je suis là, mais... Ah putain. L'ours, il pourrait pas avancer un poil. Ah tiens, je suis là. Graisseuse, on a eu un évanouissement. L'ours, il est pas là. Il n'y a pas le conducteur. C'est Hiroto. C'est Hiroto. Oh, vous avez un problème avec votre voix. Il est où la personne qui s'est évanouie? Je le tiens. Il avec nous. Bon, on y va alors. Oui. Mais c'est monsieur Fernand. Attendez, excuse. J'arrive pas à passer jusqu'à la cabine. Hein. De toute façon, je suis armé au cas où. Que tu passes nulle part. Ah, le bazar. Ah, je suis coincé, en fait. Mais non. Voilà. Il est là, il est. T'inquiète. Si vous avez des jumelles, n'hésitez pas à les utiliser pour surveiller, au cas où. Moi je me concentre sur l'homme inconscient. D'ailleurs je crois que j'ai perdu. Il vient de tomber hein. On a perdu. Mais fallait traîner le corps Tavernier hein. Mais c'est ce que j'ai fait, désolé. Ah ça il marche là, pas. Il est là. Là devant nous là. Vous le récupérez? Oui, il arrive. Je l'ai. J'ai perdu. Ouais.
Attendez, je vais rentrer dans la cabine avec. Ah, j'ai été touché, attention, on nous tire dessus. Ouais, il a... C'est Hiruto qui a été tué. Et puis c'est à droite. Sur la droite du bateau. Faudrait se dépêcher. Vise tout le monde. Sur la droite du bateau là. Arrêtez, enfin. Faites sorte que vos dinos ne bougent pas. Ouais, ouais, sifflez. Passif. Et il est... Et mon cheval, il est où? Oui, mais il est parti avec le coup de feu. Il est mort? Non, il est pas mort, il est parti. Non, mais. Il y a quelqu'un dans l'eau là. Bah tant pis hein. Moi j'ai pris une balle hein, donc je peux pas faire. Il est où? Ah bah après vous avez mal réglé vos dinos aussi hein. Vous avez ramassé les poches de Monsieur Hiro. Il a qui cette bestiole là? Je ne sais pas. Faut qu'on y aille là. Ouais, ouais, sinon, on va se faire buter les là. Dinos, force, c'est pas. C'est pas... Je crois que c'est vous qui suivez. Madame la guérisseuse. Mais là, on va se faire buter là, sérieux. Mais partons, les dinosaures, c'est pas. C'est pas. Ah, monsieur Patrick! Mais qu'est-ce qu'on fait avec un Doidikirus aussi? Il est à moi celui-là. Bah oui, mais bon. Montez-le là-haut. Non, il y a le sanglier en dessous du bateau, je pense. Bon. Je crois qu'il manque un cheval. Je vois un cheval sous le radeau. Je le vois sous le radeau, moi. Ah oui, le bleu. Un bleu, ouais. Et je vais aller voir pour le chercher. Il y a une personne avec un casque noir. Oh, capote. Ok, ouais, ouais. Attention. Il m'a l'air bien armé, ce mec. Ça y est, j'ai le cheval. Il y a un cheval. Casque noir, c'est peut-être à nous, hein. Parce que non, les deux mecs qui gardent le roi, ils ont un casque noir. Non, non, je sais très bien qui c'est, et lui, je l'ai jamais vu. J'ai trouvé la petite Yoni, mais impossible de coopérer avec une forestier là-bas. Mais on a quelqu'un dans l'eau, là, à droite, à gauche. Il y a quelqu'un dans l'eau, chez nous. Ouais, sérieux, là. C'est Philips. Faut peut-être ramasser ses poches, et on le laisse ici. Le principe c'est qu'on reste là 10 minutes et qu'on se fait tuer ou... Vite. À gauche là. Je vais lui faire les poches, j'arrive. Y'a quelqu'un sur le port là. C'est qui là-bas? C'est bon. Go. Beaucoup plus de mal de tête dans le sud que dans le nord. C'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Kiki, t'as vu Ferny? Oh putain, c'est quoi? Attendez, la capone qui est tombée. C'est bon, il s'est accroché. Oh,
Ouais, du coup. Ouais, Kappa, tu disais quoi, Ferni? Ouais. Ouais, tu les as vus, Ferni et Talu ou pas? Il me semble qu'ils sont avec le Doc. Ok, très bien. T'as aimé notre musique ou pas? Faut qu'on arrive à rentrer à la capitale, très cool. Après on sera tranquille. En parlant de ça, Patrick, très belle prestation. Merci, merci. Et pas moi, oui, peut-être. C'était merveilleux, hein, cette petite chanson. Putain, regarde-les. Je me disais bien que le roi allait pas balancer 20 000 pièces et le sud seulement 6 500. Il y avait un truc derrière. Après, ouais, je crois que le roi est capable de mettre 20 000 pièces. Oui, mais il est pas assez bête pour mettre plus que le sud sur une récompense comme ça. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Surtout que c'est le sud qui était organisateur aussi. Hein. Donc le sud aurait pu mettre beaucoup plus. C'est vraiment des radins. C'est bizarre. Hein. 20 000 et 6 500, je me disais, ouais, bon, d'accord. Mais maintenant je comprends. D'ailleurs, Capone, t'avais-tu mis au courant ou pas de ça? Il y a le bateau du roi. Si j'avais su, je serais venu avec mon raptor. Hein. Voilà. Petit mal de tête. Ouais. Ah, ça cogne. Il y a des gros mal de tête. Oh, le mal de tête, horrible. Ouais. J'ai pas le mal de mer, mais là, quelqu'un nous est. On a pas. Il y a des moments que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui tombent à l'eau. Ouais. On a secoué, on va dire. Ouais, j'en suis désolé, c'est pas de ma faute. Hein. Il y a aucun pro. On a eu beaucoup de prisonniers, vous avez vu? Non, mais. Putain, ça m'énerve, ce putain de mal de tête, j'aurais pu avoir. Yoni, Monsieur Shen et Yogi, putain, je savais où ils sont. Ah. Et d'ailleurs, j'ai un truc pour le roi aussi, il va falloir que je le dise. Quelqu'un à l'eau là, je crois. Ah, bah la mer. Quelqu'un à l'eau. Oh, ça va. Et on a reçu un coup, il y a un cheval. Ouais, il y a un cheval qui bouge. Quelqu'un attention, un fusil là, pour, dessus. Donne ton fusil, con. Ah, tiens. Avec une lunette. Si vous avez des fusils, allez-y. Hein. Attendez, restez là, je l'ai désingué. On a perdu un cheval. Tant pis là. Non, c'est pas grave, ça. Enfin. Sérieux, vous avez mal configuré vos dinos là. Attends, on va chercher le cheval. T'as pas des balles ou pas? Ouais, mais j'ai pas de balles. On s'en fout d'un cheval là. Bon, on va chasser le mec, hein. Let's attendez go. Tu me donnes les balles, j'y vais, moi je m'en bats les couilles. Voilà. Il est où? Moi je l'ai pas vu. Ouais, c'est le plongeur, laissez tomber, c'est le plongeur. Il est parti en dauphin. Mais reprenez ce cheval, bon sang. Ouais, oui. Eh, hey, c'est mon cheval qui a été tué. J'arrive pas à monter sur le cheval. Le but c'est pas d'acheter 10 minutes et de se tirer dessus, hein. Et qu'est-ce qui peut prendre le cheval là? Eh, il tient dessus, hein. Il va arriver avec. Kiki, dépêchez-vous. Ah, le mec c'est le plongeur, je l'ai vu partir en dauphin. Laissez tomber, on l'aura pas. Ouais, bah son dauphin il va pas faire long feu. Bah, essaye de lui tirer dessus quand il est sous l'eau. Bonne chance, hein. Là, s'il sort, je le désarme. Il est derrière nous, il nous suit là. Vous voyez sa tête qui dépasse? Qui ça, qui? Ouais. Qu'est-ce qui nous suit? Ouais, attendez. Pourquoi on est à l'arrêt? La prochaine fois, on cassera pas les couilles. Aïe aïe. Tu l'as eu ou pas? Attendez. C'est qui nous suit là? Je vais aller sur l'autre bateau. C'est qui nous suit là? Qui est dans l'eau là? Kiki. Et le T-Rex il va rentrer comment? Que passe? Moi je peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel T-Rex? Celui-là. Bah celui qui nage devant nous. Il fait 10 mètres de long, peut-être. Non, il y a quelqu'un dessus. Il est à nous celui-là. C'est chez nous ça. C'est quoi? Bah écoute.
continuer à madame guérisseuse. Hein. Ah bah non, il y a un qui nage. C'est qui là en face là? C'est qui le mec qui était en face de nous là? C'est qui? C'est pas chez nous, il s'en fout complètement. Hein. Tirez lui dessus là. Je crois que le T-Rex. Ah ouais. Attendez, arrêtez de battre le tour. Ah, c'est le roi. Tire pas hein. Ah, c'est le roi. Ok. C'est le roi, nous a tiré dessus. Voilà. Mais non, vous inquiétez pas, c'est bon. Non, y'a pas bon. Et alors, Rex là, il est. Ouais, gaffe, il est dans l'eau, il va peut-être se noyer. Vous avez perdu des dinos, c'est ça? Mon roi, votre Rex va peut-être se noyer. Ouais, il est en train. Il est où l'autre flic là? Il est où? On va aller dessus là. Et moi, je peux pas y toucher, moi, aux dinos, ces gros dinos. Hein. Et le flic là? Y'a le. Et c'est qui la personne qui nage? Viens le bateau sur la plage, dépêche-toi, dépêche-toi avec le bateau. C'est qui ça? Hey, c'est qui? C'est Ferny, me merdez pas. Ouais. Ah, Ferny! Qu'est-ce qui se passe? Ferny, d'accord, ok. Eh ben, j'étais en train de choper Kiba et je me suis échoué sur la plage, quoi. Il est là-bas, au sud de la position, Il y a le plongeur là derrière, au sud de la position, derrière nous. Eh oui, c'est Ferny. Je me suis fait casser le cul, quoi. Ah, il s'est rebarré. Mais parce que je me suis réveillé sur la plage, quoi. Lui, je vais venir le chasser avec mon mégalodon là tout à l'heure. On va voir ce qu'il va en penser. Eh, grimpe. T'es, ben monte dessus. Ah, ouais, pour ça qu'il faudrait vite rentrer. Ouais, du coup. Oh putain. Non, mais j'ai l'impression que le but c'est de rester tiens, un quart d'heure et de se faire tirer dessus, quoi. Attendez. Moi, je sais où est Yoni. Dame la guérisseuse, faut qu'on y aille. On y va? D'ailleurs, monsieur le roi. Oui. Prenez le bateau. Ils sont pas là, ils rentreront en pied, tant pis. Bah ouais, c'est clair. J'ai encore les clés de l'entrée. On n'a rien compris, mais on a compris l'idée. C'est pas grave. Il est où? Un autre gauche, pardon. Suivez pas le bateau d'aussi près. Coup d'état. Correctement, quoi. Ouais. Voilà, ouais. Je pars à patte. T'avais vu le coffre pas cochère? Tu vas à pied? Oh, par contre, pas de torche. J'ai pas de dino. Ah, bah, bien sûr. Hiroto, placez votre tourelle de préférence un peu plus axée à l'arrière du château, s'il vous plaît. D'accord. Alors, excusez-moi monsieur le brigadier, ainsi qu'à vous madame, oui. Allez voir tous les citoyens s'il vous plaît et dites-leur de ne pas se mettre derrière le château sous risque d'être abattu à vue. De se mettre derrière le château? Aucune personne doit se trouver derrière le château sous risque d'être abattu à vue par monsieur. Mademoiselle Kenusso, est-ce que vous pouvez venir juste ici? Putain, j'en étais sûr. Le mariage. Le roi pécho. Oh là là, le quelle mariage. Surprise. J'ai reçu votre petite lettre, ma belle, et je t'ai pas touché. Ah, ça me fait plaisir que vous êtes. Le roi il va pécho. Eh oui, t'as vu Ferny? J'ai joué. Vive le roi. Mademoiselle Calypso. Le roi. Vive la reine! Vous devez vous devenir ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Et gouverner à mes côtés. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vive le roi! Putain, c'est beau! Oh my. Vive le roi! Vive la reine! La reine! Vive la reine! Vive la reine! Attendez, j'ai pas de réponse. Monsieur le roi, voulez-vous prendre la suite de Calypso? Sifflez passif tout de suite. Ah oui, par contre, c'est à Guise. Ah bah oui, j'ai rêvé de nous. Et bien, vous pouvez embrasser la mariée. Oui. Le bisou. C'est des nôtres. Ah, t'as du bisou, bravo. Et bave pas le roi, bave pas. C'est beau.
Peut-être tourner la tête quand même.